Bénis ta parole, bénis ton peuple, accorde-moi la capacité de communiquer ta vision, ta pensée, ton fardeau. Donne à chacun de nous la concentration, la compréhension, ô Dieu de gloire, de ce qui sera dit. Je prie qu'un shift ait lieu dans cette communauté et donne-nous d'aller de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous tenir debout et lire trois passages de la Bible. Nous sommes dans le livre de Proverbes 29, verset 18. La Bible dit ceci: « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Dans d'autres versions, on dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, le peuple est incontrôlable, heureux s'il observe la loi. » Josué 1, verset 12 à 13, la Bible dit « Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous de ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. » Nous terminons avec Job 19, verset 23-24. La Bible dit « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je veux seulement parler de la vision CREFEM, du message de l'Église Compassion et d'un message prophétique que Dieu m'a donné. Ce sera tout pour ce matin. Proverbe 29, verset 18 nous dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, le peuple est incontrôlable. C'est l'un des secrets du succès dans le ministère, avoir une vision. Je me souviens, il y a des années, dans certaines églises, quand tu dis au pasteur « c'est quoi la vision ?», il te prenait pour un rebelle. Poser la question sur la vision, c'était de la rébellion. Alors que lorsque même on entre dans un taxi, il y a une direction. Tu dis « amène-moi à Matete, amène-moi à Lemba ». Personne n'entre dans un taxi et va nulle part. Il y a toujours une direction. Et quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'objectif, et là, spirituel, le peuple est dispersé, distrait même. Et dans cette église, dans cette communauté, il y a une vision. Nous ne faisons pas les choses pour le faire. Et d'ailleurs, il y a tellement de détails sur notre manière de faire que bientôt je ferai toute une vidéo sur ce que le Seigneur m'a enseigné. Vous savez, même sur la manière de chanter, sur la manière de faire la modération, sur la manière de faire donner les communiqués. Il y a tellement de choses qui font la différence et qui donnent plus d'impact. Josué 1, verset 12 à 13 dit, Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse. Lorsque le peuple oublie ce que Dieu a dit aux leaders, le peuple dévie. Et beaucoup de communautés aujourd'hui sont égarées parce qu'elles ont oublié ce que Dieu avait dit au départ, aux leaders. C'est quand vous allez dans une église dite charismatique, mais qui est contre les dons spirituels, vous ne comprenez rien. Vous entrez dans une église pentecôtiste, mais il n'y a rien du Saint-Esprit. Parce qu'après des années,
on a fini par oublier ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, mon souci, c'est qu'on n'oublie pas. C'est pourquoi il faut rappeler. C'est pourquoi à chaque culte communautaire, nous allons rappeler la vision, rappeler le message, pour qu'on n'oublie pas. Et si Jésus-Christ tarde lorsque nous allons partir, que les générations qui viennent, qui sont à l'Écodim, puissent se rappeler la vision. Et béni soit Dieu, car jusque-là, nous n'avons pas de problème. Toutes nos extensions sont dans la vision. Où que tu ailles dans nos extensions, tu sens la vision compassion. Je me souviens, il y a des années, j'étais allé prêcher dans une église quelque part, une très très bonne église. Et après quelques mois, j'ai été invité dans l'une des extensions. C'était le jour et la nuit. J'avais pitié du pasteur. Je disais, s'il pouvait venir dans son extension, il va se rendre compte qu'on y fait n'importe quoi. Dans l'église mère, les choses se passent avec excellence, se passent avec classe, ordre, organisation. Lorsque je suis allé dans l'extension, c'était du n'importe quoi. C'est quand la vision est oubliée. Nous ne voulons pas seulement porter le nom de compassion, mais il faudrait aussi que la vision soit respectée. C'est pourquoi même certains hommes de Dieu qui veulent s'affilier à la compassion. Je veux devenir compassion. Et là, je m'adresse même à ceux qui sont sur Internet. Je veux ouvrir une église compassion. On n'ouvre pas une église compassion parce qu'on veut l'ouvrir. Il y a une vision. Il y a une manière de faire. Il y a une manière d'enseigner. Il y a une manière de tenir les cultes. Il y a une manière d'organiser. Il y a une éthique. Alors vous ne pouvez pas décider vous-même. Je deviens compassion. Et dans Job 19, versets 23-24, alors que Job passait par des moments difficiles, il a dit quelque chose de très fort. Il a dit, « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre, mais pas de n'importe quelle manière. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. » Il voulait que ses paroles soient gravées dans la pierre, pour que le temps ne puisse pas les effacer. Et c'est ça aussi mon désir, c'est que ces paroles, ce que je dirai ce matin, soient gravées. Mais ce ne sera pas gravé dans des pierres, ça sera gravé sur des vidéos, des CD, ça sera sur Internet. Et béni soit Dieu pour la technologie qui permettra, si Jésus tarde, même après des années, que les gens puissent entendre ceci de notre propre bouche. Amen. Alors aujourd'hui, j'avais mon bâton, il est où? Alors une fois, on était à l'école du ministère, j'ai posé une question qui était pour moi très banale. J'ai dit, c'est quoi notre vision? Je vous assure, les gens m'ont dit des choses pas possibles. Alors c'est quand j'ai compris que quelqu'un peut être dans une église, il ne connaît pas la vision. Et c'est des fois pas votre faute, parce qu'on n'en parle pas souvent. Nous fonctionnons dans la vision, mais sans toujours expliquer la vision. Alors les cultes communautaires sont là pour cela, pour que vous sachiez dans quoi vous êtes entrés. Amen. Si on va vous amener au ciel ou en enfer, c'est important. Amen. Et notre vision, elle est là, en sigle, CREFEM. Amen. Alors lorsque vous voyez ça, ce n'est pas qu'on a mis pour décorer la bâche, ou quand nous écrivons sur le mur, CREFEM. C'est notre vision. C comme centre, R comme réveil, E comme évangélisation, F comme formation, M comme mission. Pourquoi nous mettons la croix? Parce que nous croyons en la mort de Jésus-Christ pour nos péchés, en sa résurrection. Pourquoi nous avons mis le feu? Parce que nous croyons que l'Église est née dans la chambre haute par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi nous mettons la colombe? Parce que nous croyons que l'Église n'est pas dirigée par l'homme ni par l'intelligence humaine, mais par l'Esprit. L'Église primitive croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Pourquoi nous avons mis le globe? C'est parce que notre vision n'est pas nationale, elle est internationale. Amen. Acclamez le Seigneur pour cela. Vous voyez, c'est pourquoi il faut des écrans pour que tout le monde voie bien. Désolé si tu ne sais pas voir, on va régler ça dans le temps qui vient. C'est
centre ou convergence. Nous sommes une église qui n'est pas renfermée sur elle-même. Nous sommes une église ouverte à d'autres églises et qui attend à ce que le corps du Christ de Kinshasa, du Congo et du monde entier converge pour être béni, pour être affecté. C'est pourquoi nous organisons des choses comme la DNM. La DNM, ce n'est pas seulement pour les fils de la compassion, c'est même pour les fils des autres églises qui sont passés par ici et qui aujourd'hui sont devenus des grands pasteurs dans leur communauté et nous sommes très heureux. Comme la DNM aussi, le gagnant de la DNM n'est pas un fils de la compassion, c'est un fils du corps du Christ qui est venu et qui a été béni à la compassion. Et de plus en plus, nous voyons des gens voyager du monde, venir en retraite à Kinshasa, participer au culte pendant les 30 matins, pendant Alpha 40, et sont bénis et repartent avec le feu, une église ouverte au monde, ouverte à d'autres églises, pas une église renfermée sur elle-même, pas une secte. Nous ne sommes pas une secte. Amen. Nous croyons au corps du Christ. Nous sommes là pour les autres, un centre, un lieu de convergence. R comme réveil. On parle de réveil lorsqu'il y a sommeil. Et le sommeil spirituel est pire que le sommeil physique. Et si pour les cinq vierges folles et les cinq vierges sages, il fallait sonner la trompette pour les réveiller, nous prêchons le message de la repentance pour amener le réveil. Amen. Mais dans le réveil aussi, nous croyons en l'action de l'esprit, aux dons spirituels, aux charismes, aux prophéties. Nous croyons cela, nous ne sommes pas contre cela. Amen. Nous sommes pour une vie de prière intense. C'est pourquoi que ce soit ici et dans nos extensions, il y a des moments de prière intense. Ici, nous avons même ce que nous appelons VVF, des veillées des vaillants de feu, où nous prions de 0h à 5h du matin, non-stop, sans chorale, sans modérateur, et les gens prient parce que le réveil marche avec la prière. E, comme évangélisation. Et là, j'exhorte même aux pasteurs qui sont là, ne nous fatiguons pas de gagner les âmes. Même quand l'Église aura 20 000 membres, 40 000 membres, il faut que la passion des âmes continue à brûler et que nous continuions à être une Église en quête du salut des âmes. Dans nos cultes, faisons l'appel à la conversion. Des fois, l'église peut être remplie, mais la moitié sont des païens. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'église tous les jours qu'il est né de nouveau. Il faut toujours faire l'appel à la conversion. Mais pas seulement dans l'église. Il faut sortir des quatre murs, organiser des croisades sur des places publiques et prêcher l'évangile dans sa simplicité, afin de gagner les âmes. Pas seulement cela. Au-delà d'avoir un département d'évangélisation efficace, nous voulons que tous les fidèles de l'Église soient des gagneurs d'âmes. Et les statistiques l'ont prouvé, une fois par an, au mois de janvier, nous organisons une fête des âmes et nous posons la question aux nouveaux. Comment êtes-vous arrivés là? Bien-aimés, le trois quarts d'entre eux disent « Un ami m'a invité, quelqu'un m'a invité ». L'Église Compassion ne grandit pas d'abord par les séminaires, ne grandit pas d'abord par des conventions, par des grands programmes. Ça grandit par des membres de l'Église qui gagnent leurs frères, qui gagnent leurs amis, qui gagnent leurs relations. Vous êtes le département d'évangélisation. Acclamez pour vous-même. Et c'est ça le but. Dans l'Église primitive, il n'y avait pas de département d'évangélisation. Tout le monde était gagneur d'âme. Même s'il y a un département d'évangélisation, tous nous devons être des gagneurs d'âme. Alléluia. Formation. Un jour, le Seigneur m'a posé cette question. Lorsque quelqu'un va à l'université, après 5 ans, vous prenez un enfant qui a eu son diplôme, 5 ans, il fait à l'université. Après, il devient un avocat. 5 ans seulement, il était à l'université, il devient un avocat, il devient un médecin, il devient un juriste. Mais quand quelqu'un fait 5 ans l'église, il ne devient rien. Pourquoi? Parce que l'enseignement à l'église n'est pas stratifié. Les églises ne fonctionnent pas comme des écoles. C'est pourquoi la compassion, nous fonctionnons comme une école.
Bien-aimé, l'église compassion, ce n'est pas seulement les cultes où nous chantons, nous dansons, nous prêchons, vous rentrez. Non, il y a des choses qui se passent le lundi, qui se passent le mardi. Le mardi et le lundi, l'église compassion fonctionne comme une école. Et dans les extensions, il y a des formations. Nous ne pouvons pas travailler avec des gens qui ne sont pas formés. Et lorsque vous êtes d'une autre église et que vous adhérez à la compassion et vous voulez servir Dieu à la compassion, nous devons vous former encore parce que c'est vrai, nous croyons tous en Jésus-Christ, mais nous n'avons pas toujours la même doctrine. C'est pourquoi nous avons un programme de formation prévu pour quelqu'un lorsqu'il croit en Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il va servir Dieu, des enseignements de baptême. Et d'ailleurs, les enseignements de baptême, nous ne prenons plus beaucoup de temps comme avant. Avant, ça c'était 3 mois, 4 mois. Maintenant, nous sommes capables de baptiser quelqu'un après une semaine, après 2 semaines. Nous te baptisons parce que nous avons vérifié dans les Écritures, dans l'Église primitive, les gens étaient baptisés automatiquement après la foi. Mais nous sommes arrivés à donner des enseignements parce qu'il y a des gens qui se font baptiser sans comprendre. Mais doctrinalement, le baptême doit directement suivre la foi. Amen. Donc après le baptême, nous avons des enseignements d'affermissement. Après les affermissements, nous avons une école des ouvriers où on t'apprend à servir Dieu dans un département. Et si tu as un appel au ministère, il y a aussi une école du ministère qui bientôt va devenir une école théologique charismatique. Nous avons 3 cours, nous avons plutôt 3 classes, première, deuxième et troisième. Ainsi, quelqu'un venant à la compassion, après 5 ans, s'il a l'appel de Dieu, tu deviens un enseignant de la parole, un prédicateur fondé dans les Écritures. Et la DNM nous a prouvé, nous sommes venus, nous avons écouté des sœurs, des frères qui s'assiedent là. Certains sont à l'intercession, d'autres là. Mais quand ils ont pris le micro, quel niveau de connaissance, quelle profondeur, quelle grâce. Vraiment, je suis fier d'eux. Que Dieu bénisse le département de la formation, Marc, et même papa Raph, que Dieu te bénisse, car c'est par lui aussi que Dieu est passé pour que nous puissions avoir cette organisation. Que Dieu soit béni pour cela. Et j'encourage tous mes fils pasteurs, si tu as le temps, faites aussi la théologie. Amen. Hein? Faites la théologie, vraiment. Je crois qu'il est possible d'ajouter à la foi la connaissance. Même moi, j'ai fait l'effort de commencer la théologie. C'est important. Étudiant. Amen. Hein? Et étudiant. Tu es pasteur, ajoute à l'onction, à la puissance, au don spirituel. Va étudier. Quand l'église est jeune, c'est facile d'étudier. Quand ça devient grand comme ça, je vous assure, pour trouver le temps, même sur Internet, d'étudier, c'est difficile. Profitez maintenant alors que vous avez le temps. M comme mission. La mission et l'évangélisation vont ensemble. Mais la mission, c'est un sens encore plus élargi de l'évangélisation. Lorsque nous allons prêcher à des tribus inconnues, à des langues inconnues, lorsque nous franchissons les barrières de notre nation, de notre ville de Kinshasa, jusqu'à toucher les extrémités de la terre. C'est pourquoi vous voyez qu'ici, nous avons mis sur cette bâche l'Afrique, les continents, afin de dire que ce qui commence à Kinshasa peut toucher le Gabon, la Côte d'Ivoire, l'URSS, l'Asie, la Chine, peut toucher l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, même le pôle Nord, l'Australie. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia! Notre vision est une vision internationale. C'est pourquoi nous mettons ceci quand nous prions, nous chantons, afin que vous voyez ces peuples, ces villes qui vous attendent, afin que vous y allez prêcher la parole. Et nous opérons comment dans la mission? Il y a certains, nous allons vous envoyer directement, quittant Kinshasa, vers ces nations. Mais d'autres, nous allons nous saisir de vos voyages. Tu voyages pour tes études, tu voyages pour une mutation, mais nous utilisons cela pour ouvrir une extension. Amen. Hein? C'est ce que nous avons fait avec le prophète Fidel Kabela. Il n'a pas été envoyé directement par l'Église. Il est allé en mutation à Matadi, mais on a profité de son voyage pour ouvrir une extension. Acclamons le Seigneur.
Et ceci représente toujours le globe terrestre, mais nos frères de la presse ont voulu faire design. Amen. Hein? Donc c'est toujours la représentation du globe terrestre, d'une vision internationale. Nous croyons que les gens viendront du monde entier, de toutes les langues, prier ici et aussi nous enverrons des missionnaires dans le monde entier. Amen. Mais notre stratégie en matière de mission encore, c'est que nous préférons envoyer des autochtones vers leurs propres frères, gagner un Français et l'envoyer vers les Français, gagner un Belge et l'envoyer vers les Belges. Amen. Mais si nous n'arrivons pas à gagner un Belge pour l'envoyer vers les Belges, c'est mieux d'envoyer un frère qui est déjà là-bas, qui a les documents. Car l'une des faiblesses des églises à l'étranger, c'est qu'il y a des missionnaires qui sont en mission, mais avec des faux documents. Lui-même, il est pasteur à Bwakangulu. Lui-même, il est pasteur, il est sans papier, mais il prêche. Il ne faut pas mentir, il faut être en ordre avec l'État. Alors, nous ne voulons pas des missionnaires sans papier, des missionnaires Ngulu. C'est pourquoi, si Dieu ne te donne pas les papiers, c'est mieux que celui qui a déjà les papiers à l'étranger puisse être envoyé. Amen. Parlons à présent du message. Le message, c'est toute la Bible. Nous prêchons la Bible de Genèse à Apocalypse. Nous ne croyons pas en une partie de la Bible, nous croyons la Bible dans sa totalité. Mais dans cette Bible, nous avons une particularité. Notre message, c'est d'abord l'amour. Avant, je prêchais d'abord la sainteté. Mais lorsque j'ai fait la retraite de 40 jours, le Seigneur m'a dit que le plus grand message de la Bible n'est pas la sainteté. Le plus grand message de la Bible, c'est l'amour. Car Dieu est d'abord amour. Car si Dieu est saint sans être amour, Dieu ne peut sauver aucun homme. L'amour. La sainteté sans amour amène au légalisme, à une église qui ne fait que condamner les pécheurs. Vous savez qu'il y a des églises dans lesquelles les gens ne croient pas que les gens changent. On ne croit pas. On est là pour te dire ton péché, mais on n'est pas là pour croire que Dieu peut te transformer. L'amour. Et cet amour engendre la compassion. Il est impossible d'avoir la compassion sans amour, car la compassion, c'est l'amour en action. Je t'aime et je te vois souffrir et j'interviens. C'est ça la compassion. Je t'aime et je te vois manquer et je viens t'aider. C'est ça la compassion. C'est un amour qui se met à la place de l'autre. Lorsque le Seigneur m'a appelé, j'ai entendu ceci. Exode 3, verset 9 à 10. C'était le verset qui était lu ce jour-là. J'avais l'âge de 21 ans. Le pasteur avait lu. « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va. » Quand il a dit ça, j'ai entendu des foules, des millions de personnes pleurer et crier dans mes oreilles, disant « Marcelo, viens nous prêcher l'Évangile. » J'avais refusé de devenir pasteur. Je ne voulais pas devenir serviteur de Dieu. Mais une seule chose m'a donné la force de répondre à cet appel, c'était la compassion. Quand je me suis mis à la place de ces personnes et j'ai compris que si je refusais de servir Dieu, de répondre à cet appel, ces personnes allaient finir en enfer, la compassion m'a vaincu et c'est alors que j'ai accepté de devenir pasteur. Depuis l'âge de 23 ans, je suis pasteur, ça fait 20 ans, donc tu as calculé mon âge, c'est sûr. Je suis allé quelque part au Burundi, le pasteur m'a dit « Je crois que tu as 50 ans, Nabi. » »« Ah, t'es papa, il est bien éboué. » Alléluia. Souvent, les gens, quand ils regardent ma barbe, ils pensent que je suis vieux. Je n'ai pas teint ma barbe. Ce sont les problèmes, les fardeaux de l'église qui ont vieilli ma barbe. Amen. Je n'ai rien coloré. C'est naturel. C'est « Bapa sinabino, bamikumba » et « Nunisinga ». Amen. L'amour. Une église sans amour n'est pas une église. Amen. C'est pourquoi nous voulons être une famille. Je suis très heureux lorsque vous devenez des frères. Lorsque je vois celui-ci qui est venu de son côté, aimer l'autre, ils sont amis, ils s'entraident. Un jour, je suis allé dans une entreprise.
Un frère de l'église a construit un immeuble, je crois, de 4 à 5 étages. J'arrive là, je trouve des frères qui travaillent avec lui, qui l'a engagé des frères. Ils sont ensemble, ils ont fait une entreprise. C'est ça, l'église. L'amour. Amen. Sans amour, l'église cesse d'être l'église. Le premier message que nous devons donner au monde, c'est un message d'amour. Mais la sainteté aussi. Car sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. J'ai entendu clairement une voix audible me dire, Marcelo, prêche la sainteté à mon peuple. Le jour que j'ai reçu ce message, cet oracle a été accompagné d'une manifestation. Quelqu'un qui était dans la salle a commencé à crier à haute voix ses péchés. Il n'avait pas entendu la voix que j'avais entendue, mais il a manifesté la voix que j'avais entendue. C'est pourquoi, à la compassion, nous parlons de la sainteté. Mais pas d'abord de la sainteté pratique, la sainteté que toi tu dois manifester, mais la première sainteté que Dieu te donne par la foi. Car il est impossible de manifester la sainteté sans avoir la sainteté par la foi. C'est d'abord la sainteté que Dieu te donne qui te permet de manifester la sainteté. Sinon, nous vous prêchons le salut par les œuvres et personne ne peut être sauvé par les œuvres. Tu dois croire en Jésus-Christ, recevoir la nature de sainteté pour manifester la sainteté. Amen. C'est pourquoi la couleur blanche symbolisant la sainteté et pourquoi nous recherchons la sainteté. Pas d'abord pour le mariage, pas d'abord pour les voitures, pas d'abord pour les visas, pas d'abord pour avoir l'onction, mais pour aller au ciel. C'est pourquoi la couleur bleue. Je crois qu'il y a un événement qui attend l'Église, le plus grand de tous les événements, l'enlèvement. Car Jésus-Christ revient bientôt et sans la sanctification, personne ne le verra. Mais voici, quand j'étais très très jeune dans la foi, mon message c'était que la puissance, là même avant de commencer l'Église, j'étais ce genre de jeune qui se tenait debout, je prêchais 10 minutes et pendant 2 heures je faisais que faire tomber les gens, faire tomber les gens. Je prêchais 10 minutes et j'attrapais les sorciers. C'était ça le Marcelo que vous n'avez pas connu, heureusement. Mais, lorsque tu prêches l'amour et la sainteté, tu négliges la puissance, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ ne prêchait pas que l'amour, il ne prêchait pas que la sainteté. Il ouvrait les yeux des aveugles, il faisait marcher les paralytiques, il chassait les démons. Et la Bible dit que le royaume de cieux ne consiste pas en paroles, mais dans la démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. À la compassion, nous croyons au miracle. Nous opérons dans le surnaturel et nous voyons des miracles. Je viens de voir un miracle qui m'a marqué ces derniers temps. J'ai prié au Burundi pour une femme qui avait un enfant SS. Et après la prière, l'enfant n'était plus SS. Et cela, témoigné par les médecins. Je dis témoigné par les médecins. Zamba bongoli makilanaï. Alléluia. Il y a 2 ou 3 jours, une femme est venue, presque paralysée. Après la prière, elle a marché. Les paralytiques marchent dans cette église. Alléluia, les cancers disparaissent. Alléluia, Dieu fait des très très grandes choses. Mais pourquoi nous ne les mettons pas sur Internet? La première fois que je suis arrivé à Paris, j'ai prêché sur l'impudicité. Fouiller l'impudicité. Le premier jour, je prêche et j'ai dit, qui va se repentir? Ils viennent. Deuxième jour. Le troisième jour, Dieu me dit, prie. Et j'ai dit aux gens, pouvez-vous lever les mains? Ils ont levé les mains, ils attendaient une prière simple. J'ai prié, les gens sont tombés de partout. J'ai vu une femme me regarder comme ça, habillée. Alors j'ai compris ceci, qu'il y a une mauvaise vision des prédicateurs de la sainteté. Ce n'est pas parce que tu prêches la sainteté que tu ne dois pas opérer dans la puissance. Et opérer dans la puissance, ce n'est pas être un aventurier. Opérer dans la puissance, c'est biblique. Dites, c'est biblique. Je sens que je dois dire quelque chose à quelqu'un. Il y a des gens qui prient à l'église compassion et disent « Ah, moi je prie là-bas parce qu'on prêche la sainteté, on n'est pas dans les miracles. » Vraiment, si tu es venu pour ça, tu vas quitter. Tu es un égoïste. Tu sais, quand tu es en bonne santé, tout va bien chez toi, tu peux dire ça. Mais si tu es aveugle, si tu es paralytique, si tu es sourd, tu voudras qu'on te prêche que la sainteté? Qu'on ne prêche pas le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles? Si tu n'as pas d'enfant, tu voudras prier dans une église où on prêche que la sainteté, on ne parle pas du Dieu de Sarah qui donne des enfants. Moi, je te présenterai le Dieu total, le Dieu total, le Dieu qui donne des enfants aux stériles. Alléluia.
Ma sœur, pendant 9 ans, n'avait pas d'enfant. Prêchant la parole, enseignant la parole. Elle était heureuse, mais elle avait besoin d'enfants. Dieu vient de lui donner 2 enfants. Alléluia! Dieu fait des telles choses. Nous croyons aux prophéties, nous croyons aux miracles, nous voulons les miracles parce que c'est aussi le message de la Bible. Mes fils, opérez dans la puissance, chassez les démons, faites marcher les paralytiques, ouvrez les yeux des aveugles, faites entendre les sourds, parce que c'est aussi une promesse de la Bible. Priez pour que les gens parlent en langue. Amen. Nous ne voulons pas des belles églises climatisées où les gens ne parlent pas en langue. Que les gens parlent en langue. Pour le parler en langue, voici ce que nous croyons. Il faut parler en langue, comme vous voulez. Mais quand tu as le micro, parle en français. Parle en lingala, en swahili, qu'on puisse entendre. Amen. Mais quand je prends là, Rika mama yoko soko, Eka mayenda reba, Zute riabo skante lebro, Eka beriabo shinto lobobo, Bolo bamen. Panin, boyoke lorote. C'est vrai, c'est une habitude que nous avons aussi. Moi aussi, j'ai fait cela. Et beaucoup qui viennent même chanter, prêcher ici, le font. Mais quand tu grandis en Christ, tu cherches l'intérêt des autres. Quand tu grandis en Christ, tu cherches à être compris. Quand je parle en langue, en ayant le micro en main, je dois interpréter. Amen. Pour que tu comprennes et tu dises amen. Car si je prie pour toi en langue, comment vas-tu dire amen si tu ne comprends pas ce que j'ai demandé pour toi? Quand vous chantez, l'esprit peut vous prendre, vous parler en langue. On ne peut pas vous empêcher. Mais n'oubliez pas que Kotana Toyembate. Vrai ou faux? À jamais tu seras. Alléluia. Ce sont des habitudes que nous avons. Ça se passe aux États-Unis, partout. Les gens parlent en langue au micro, sans interpréter. Mais quand vous lisez la Bible dans Corinthiens, Paul dit que quand tu pries en public, en langue, tu dois interpréter. Sinon, tu es un barbare, tu dois te taire. Mais quand tu n'as pas le micro, parle en langue comme tu veux sans interpréter. Mais quand tu as le micro, tu es prédicateur, tu es modérateur, tu es chantre. Même si tu es rempli de l'esprit et tu es emporté en langue, donne l'interprétation. Si tu n'as pas l'interprétation, reviens dans la langue que nous connaissons. Amen. Mais nous ne sommes pas contre le parler en langue. Il faut me comprendre, d'accord? Parce que des gens disent, ah Marcelo, comment télémé là, parle en langue. N'a télémé lui parle en langue? Alléluia. Aussi, pour les prophéties, voici ce que nous croyons. Il faut prophétiser, il faut donner des paroles de connaissance. Mais voici, nous sommes contre ces prophéties avec des détails, mais qui n'amènent nulle part. Amen. Dans la Bible, quand on donne des détails, c'est suivi d'un message de consolation, d'exhortation et d'édification. Mais quand vous prophétisez pour montrer que vous connaissez que des détails, bien aimé, cela c'est inutile, c'est la chair dans la prophétie. Alléluia. C'est la chair dans la prophétie. Aussi, dans le domaine de la prophétie, nous ne croyons pas à la consultation prophétique. C'est-à-dire qu'à la compassion, il n'y a pas un jour où je m'assieds au bureau et vous commencez à venir l'un après l'autre et moi je dois vous prophétiser chacun. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est en chacun de nous et la prophétie dans la Nouvelle Alliance ne dirige pas l'Église mais confirme ce que Dieu a dit. Amen. Aussi, pour la puissance, nous croyons qu'il faut qu'il y ait la manifestation de la puissance à l'Église, mais ce n'est pas bien de montrer à la télévision des gens qui vomissent, de montrer à la télévision des gens qui tournent, surtout vraiment en montrant leur visage. Ici au Congo, nous nous permettons de telles choses. Fais ça en Europe, on va te traduire en justice. En Europe, quand les gens tombent ou tournent, la caméra montre de loin, de sorte qu'on ne voie pas les visages. Amen. Quand il y a de telles manifestations, il ne faut pas montrer les visages. Pourquoi? Vous créez des problèmes aux gens dans leur maison et dans leur famille. Je vais dans une église, je tombe, je commence à vomir et vous me filmez. Vous donnez même le micro aux démons pour qu'ils puissent parler. Yo nani nanzoto yo. Nako konaye, nayaki kobomaye. Maintenant, la grand-mère à la maison là-bas, elle est en train de suivre aussi la télé. Elle entend sa petite fille dire Nako konaye, nanga bomaye. Qu'est-ce qu'elle deviendra, la grand-mère là? Vous voyez, nous ne démontrons pas la puissance sans amour. Quand tu démontres la puissance sans amour, tu détruis les vies. Il faut toujours te mettre à la place des autres. Et je dis ceci,
À tous ceux qui font ça, faites ça à vos mamans, à vos frères, à vos enfants. Est-ce que je peux faire la délivrance de mon enfant en public et puis je lui donne le micro, et les démons parlent et puis je filme? Je ferai ça? Est-ce que je peux faire ça à ma mère? C'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Voici comment on opère. Tu pries pour quelqu'un. S'il s'agite, il tombe. Les caméras ne filmaient pas ça. Amen. Hein? Ou si ça a été filmé parce que c'était dans le champ, ne mettez pas ça à la télévision ni sur Internet. Que la délivrance ait lieu. Après, la personne s'est relevée, elle s'est essuyée, elle s'est arrangée. Si elle veut témoigner, elle peut dire, j'étais venue, j'avais un esprit de sirène, Dieu m'a délivré. Mais elle parle bien. Amen. Pour l'honorer, car la puissance doit opérer dans l'amour, les dons spirituels doivent opérer dans la charité. Dites amen. Équilibre. L'équilibre, c'est la balance. Dieu n'est pas un Dieu extrême, de l'extrémisme. Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Un jour, un homme était tellement très sérieux, tout le temps sérieux. Il n'aime pas que les gens rient à côté de lui parce qu'être spirituel, il ne faut pas rire. Alors, il est allé étudier dans une école biblique et le professeur, c'était un blanc. Et une femme blanche, d'ailleurs. Il dit, monsieur, je te trouve très sérieux. Il dit, oui, dans les choses de Dieu, il ne faut pas rire, il faut être. Il a dit, non, c'est ta culture, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il dit, oh, comment? Oui, dans votre culture, on ne rit pas beaucoup. Mais Dieu, si tu le regardes, tu vas voir que Dieu, c'est la diversité. Regarde les couleurs. Le monde n'est pas en noir et blanc, il n'est pas en gris. Il est en vert, en rouge, en bleu, parce que Dieu est un Dieu de diversité. Aussi, regarde le lion, il est autoritaire, mais regarde le chimpanzé, il est comique. Ça prouve que Dieu aussi a le sens de l'humour, parce que c'est lui qui a créé les chimpanzés. Give me a man! Il déstresse les autres. Amen. L'équilibre. Et dans l'équilibre, qu'est-ce que nous enseignons? Que un chrétien qui attend le ciel ne doit pas être un distrait sur la terre. Même si tu attends le ciel et tu dis, amen, hein? À la compassion, nous sommes contre les gens qui arrêtent les études. À moins que les parents ne peuvent pas te payer les études ou tu n'as pas l'argent. Mais s'il y a l'argent pour étudier, étudier. Nous sommes contre les gens qui ne font rien dans la vie. Tu fais quoi? Je vais à l'église. Non, aller à l'église n'est pas un travail. C'est un travail pour moi, pas pour toi. Parce que je travaille. J'ai travaillé au premier culte, au deuxième, au troisième. Je suis en train de transpirer. Est-ce que je suis différent d'un professeur? D'un avocat au barreau? Non, au travail. Mais yo zolo baka amen. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Dans l'équilibre, nous voulons avoir des frères spirituels, mais qui sont romantiques, qui aiment leurs femmes. Dans l'équilibre, nous voulons avoir des frères qui sont excellents. Dans l'équilibre, nous voulons avoir des frères qui font des affaires et qui cherchent à être excellents. Dans l'équilibre, nous voulons avoir des frères qui sont politiciens, footballeurs. Nous voulons avoir des frères qui sont médecins, avocats, sénateurs. En attendant que Jésus-Christ revienne, nous impactons la terre car nous sommes des rois. C'est pourquoi la couleur pourpre, vous voyez la couleur là, c'est la couleur royale. Nous sommes des sacrificateurs rois. Une nation de sacrificateurs. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Les gens, quand ils attendent le ciel, ils disent, Jésus revient bientôt. Fais des affaires, Jésus revient bientôt. Non, frère. En attendant que Jésus-Christ revienne, aime ta femme, aime tes enfants. Soyez des bons papas, soyez des bonnes femmes. Nous sommes contre les femmes qui prient tout le temps à l'église mais ne brossent pas les dents. Nous sommes contre les femmes qui, alléluia, arrangent l'église mais n'arrangent pas leur maison. Nous sommes contre les femmes qui deviennent tellement spirituelles que qui moi si peu longue. L'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Dans ton esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. Dans ton âme, tu es rempli de culture. Dans ton corps, tu es beau. Tu es propre. Alléluia. L'équilibre. Dans l'équilibre aussi, nous aimons notre pays. Amen. Hein? Le bleu. Être chrétien,
Ce n'est pas être apatride, sans nation. Tu as une nation, tu es au Congo. Bien-aimé, jamais je ne serai un leader qui va vous distraire. Vous avez une nation, parmi les nations les plus riches du monde. Et vous devez profiter de la richesse de votre pays. Ça aussi, je dois vous dire. Alléluia! Le fait que tu sois né congolais, ce n'est pas un hasard. Sous tes pieds, il y a le diamant, il y a le coltan. Le coltan qui permet à des appareils de fonctionner. Et ce n'est pas normal que vous soyez pauvres. Donnez-moi l'amen. Faites la politique, mais pas moi. Soyez opposants, soyez au pouvoir. Mais moi, je suis votre médecin, je soigne tout le monde. Sur cette chair, on ne parle pas opposition ou pouvoir. On donne la chair à personne qui vient parler d'un parti politique. Mais moi, en tant que votre père, je vous pousse à vous occuper de votre nation et chacun selon sa conviction et sa liberté. Car si être chrétien pour vous, ce n'est pas voir que vos routes sont sales, ce n'est pas voir que les caniveaux ne sont pas curés, ce n'est pas voir que dans les hôpitaux les gens sont en train de mourir, ça ce n'est pas la parole de Dieu. L'équilibre, j'aime le ciel mais j'aime le Congo. En attendant, Congo pe bonga. Give me amen. J'aime ma nation. Je suis spirituel, mais j'aime ma nation. C'est pourquoi je peux voir Miami et tout. Je reviendrai au Congo. Je vais à Boston ce soir. Je ne ferai que 10 jours. Allez là, nanakin. Donne-moi la main que je te parle. Moi, je ne fuirai pas ce pays. J'aime le Congo. Nous sommes là. Nous sommes là. Parce que si vous tous vous partez, vous allez laisser ce pays à qui? Aux Indiens, aux Libanais, aux Chinois? Frère, si vous ne savez pas, voici ce qui se passe. Quand nous tous nous allons là-bas, vous savez quand les avions reviennent, plein de blancs qui viennent au Congo. Bisoto ki mabango boya, boya pwani. Pour le goza. Mais yo, projet kaka. Oteka lupangu ya njili. Et sachez aussi que voyager n'est pas un projet. C'est une dépense. À moins que tu ailles faire quelque chose là-bas. Comment tu peux vendre une parcelle de 30 000 dollars et prendre un avion de 3 000 dollars et quand tu arrives là-bas, tu ne gagnes même pas un salaire de 30 000 dollars, tu gagnes 500 euros. Tu as perdu. Il fallait que tu investisses au Congo et tu allais devenir grand. Mes frères et sœurs, sachez qu'il y a des gens au Congo qui vivent mieux que les gens qui sont en Europe. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Mais vous tous voulez aller en Europe alors que vous avez un paradis. Ce pays est un paradis. Des fois, tu manges une mangue et puis tu la jettes. Un mois après, elle a poussé. Ailleurs, il faut des engrais. Il faut des OGM. Mais vous voulez tous aller en Europe. Bien-aimés, aimez votre pays. Transformons ce pays, que ça devienne comme l'Afrique du Sud, comme Dubaï. C'est possible. Je dis que c'est possible. Ça aussi, c'est notre message à la compassion. C'est aussi notre message. Mais moi, je ne suis derrière personne. Je ne soutiens personne. Je ne suis avec personne. Et je prie pour tout le monde. C'est ça le message. Mais l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre en Jésus-Christ. Si nous n'ajoutons pas en Jésus-Christ, nous sommes dans le New Age. Si tu vas sur YouTube, tu tapes motivation, tu vas avoir des gens qui vont te motiver. Tu dois être grand, tu dois t'occuper de ta nation, tu dois être loin du mal, tu dois aimer. Mais ils ne disent pas Jésus. Bien aimé, l'amour sans Jésus n'est pas l'amour. La sainteté en Jésus-Christ sans Jésus est impossible. La puissance sans Jésus-Christ, c'est l'occultisme. L'équilibre sans Jésus-Christ, c'est le déséquilibre. C'est pourquoi il y a la croix. Parce que nous croyons qu'il y a quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu la mort. Il a tout accompli. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu parfait. Il est l'agneau de Dieu immolé pour nos péchés. Sans lui, il n'y a pas d'église. Sans lui, il n'y a pas la compassion. Nous avons un roi qui n'a pas bâti son royaume sur le sang de ses militaires, mais qui a bâti son royaume sur son propre sang. Nous avons un roi qui ne reste pas à la maison à la guerre, mais qui est parti avant son armée, afin de mourir pour son armée, Jésus. Pourquoi en Jésus-Christ et pourquoi la croix?
Parce que mes frères, l'Église doit être christocentrique. Au centre de l'Église, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le pasteur, mais c'est Jésus. De plus en plus dans les églises, c'est le pasteur. Et quand on commence à te donner le nom de représentant légal, et comme il dit Kambo, Tozali Kobenga Sikoyo, représentant légal. Zamba ponio o sale laye na lolendo makasi na motema boye. Et puis viens, il a une grosse chaise ici. Quand vous chantez, il vous regarde. Lui, il ne chante pas. Il est représentant légal. Jamais la compassion. Je suis votre frère. Je suis un enfant de Dieu comme vous. Lavé par le sang de Jésus comme vous. J'irai dans le même ciel que vous. J'ai le même Saint-Esprit que vous. J'ai le même Dieu que vous. J'écoute Dieu de la même manière que vous. J'ai besoin de Dieu comme vous. Qu'il n'y ait point de culte de la personnalité. C'est pourquoi sur nos affiches, lorsque nous faisons les affiches, nous avons une charte, une manière de faire. Nous ne mettons pas des affiches où tu remplis toute l'affiche. Mettez le thème en grand. Mets ta photo. Mais qu'on sente que tu attires les gens vers Christ, vers le message, que vers toi. Mais une affiche qui remplit le trois quarts du papier, c'est une mauvaise communication. C'est pourquoi nous écrivons en bas 100% Jésus. La star de cette église, c'est celui que vous ne voyez pas, Jésus-Christ. Je ne suis pas la star de la compassion. Je suis le porte-parole de la star, Jésus. Acclamons le Seigneur très très fort. J'aimerais donner ce message prophétique. Le Seigneur m'a dit, Église Compassion, vous êtes trop restés entre les quatre murs. L'heure est arrivée de sortir. Vous avez trop demeuré autour de cette montagne. Vous devez conquérir les autres montagnes. Parce que Dieu ne vous a pas seulement donné Horeb, il vous a donné aussi la montagne des Amoréens. Il est temps de sortir des quatre murs et faire des croisades. Et nous allons vivre des signes, des prodiges et des miracles. Il est impossible que tu puisses marcher sur l'eau dans la barque. Il faut que tu sortes de la barque afin de marcher sur l'eau. Et il est temps que nous puissions sortir à l'extérieur pour vivre de nouveaux miracles. Car lorsque Dieu t'appelle vers de nouveaux chemins, c'est pour que tu expérimentes de nouveaux miracles. Alléluia. C'est pourquoi la veillée, ça ne sera pas ici, nous serons dehors. Et nous aurons de plus en plus des soirées de gloire en dehors de l'église. Chers pasteurs, cherchez dans le coin de vos églises des terrains vides. Faites-en vos terrains, colonisez ces terrains, allez là-bas. Pourquoi dans ces pays, ce sont les aventuriers qui ont le courage de sortir? Les pasteurs sérieux, ils restent dans leurs quatre murs comme des peureux. Frère, il est temps de sortir. Et sachez que si vous osez sortir, vous échouez. On n'échoue jamais, on apprend. Moi, je ne suis jamais. J'apprends. Je vais au stade, ça ne marche pas. J'ai appris comment mieux travailler. N'ayez pas peur de sortir. Ceux qui remplissent les stades n'ont pas commencé par remplir les stades. J'ai vu la première croisade de Renard Bonquet. Tu vas rigoler. Tu vas rigoler la première croisade de Renard Bonquet. Ils ont osé. Église Compassion, nous devons sortir maintenant des quatre murs. Il y a des églises qui n'étaient qu'à 3000 qui osaient sortir et remplissaient les stades. Aujourd'hui, notre communauté atteint plus de 8500 personnes. Nous sommes toujours dans les quatre murs. Le stade de martyrs nous attend. Tata Raphaël nous attend. Nous devons aller y prêcher l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre en Jésus-Christ. Oh, donne-moi la main que je te parle. Un jour, je suis allé dans un stade. Le stade était plein. Et j'ai vu comment les hommes ont pris la gloire de Dieu. Comment il attend que tout se remplisse et il entre avec gloire. On l'adore, on le célèbre. Et Dieu m'a dit, je cherche un homme qui peut venir dans un stade rempli, mais qui vient comme un simple serviteur et qui sort comme un simple serviteur. J'ai dit, Dieu, donne-moi cette passe en or, tu verras ce que je ferai. Tu imagines un grand stade rempli et toute la gloire t'attend. Tu viens simple comme bonjour. Il n'y a pas de maintenant, nous recevons l'homme de feu. L'homme quand il parle, ça tremble et ça bouge et ça secoue. Tu montes simplement, tu prêches Jésus. Les miracles se produisent, les aveugles voient, les sourds entendent. Tu descends, tu entres dans ta voiture et tu pars.
Nous le ferons pour Jésus, car il est temps que les hommes sérieux possèdent cette nation, possèdent cette ville. Et nous devons sortir. Nous devons sortir. J'ai un témoignage à vous donner à ce sujet. En septembre, j'étais au Burundi. Pourquoi ? Aller prêcher dans une église. Comme d'habitude, nos quatre murs. Vous savez comment Dieu a fait ? Il nous a sortis des quatre murs lui-même. Le gouverneur de la ville est venu, le maire de la ville. Il a entendu parler, c'est un évangéliste. Et il suit les prédications sur YouTube. Il est allé voir le pasteur, il a dit, j'ai entendu que vous voulez faire quelque chose ici avec le pasteur Marcel. Oui, je veux voir ton église. Et il voit l'église, il dit, non, Tokokate, c'est trop petit. Parce que moi, je sais que les gens le suivent sur Internet. Et si nous venons ici, ça ne marchera pas. Je vous donne l'endroit le plus grand de Bujumbura. Il nous a donné le jardin le plus grand. Et quelqu'un est venu aussi, il a donné l'estrade gratuitement. L'autre a donné l'écran géant gratuitement. L'autre a amené les photos gratuitement. Et le maire de la ville lui-même nous a logés. Moi et Sion. Bien-aimé, 25 000 personnes sont venues à la croisade. Des miracles et des prodiges au point où on ne pouvait même plus écouter les témoignages. C'est là que cet enfant qui était SS a été guéri. Et après ça, on me téléphone. Le président et la première dame me disent de ne pas quitter le Burundi sans les rencontrer. Si j'avais prêché dans la petite église, est-ce que ça allait se faire? Et le dimanche soir, je suis allé prêcher au palais présidentiel. Et ils m'ont dit, pasteur, viens ouvrir une église au Burundi. Si on était resté dans les quatre murs, ça allait avoir lieu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut maintenant qu'on puisse shifter. Et ça, je vous donne un secret pour vos vies, en termes d'équilibre. Ton succès n'est pas dans ta zone de confort. Ton succès est dans ta zone d'inconfort. Ce que tu fais déjà bien, tu le fais déjà bien. Mais c'est seulement quand tu verras ce que tu ne peux pas faire que tu vas avancer. Mais la plupart des temps, nous restons dans les choses que nous maîtrisons parce que nous avons peur de l'inconnu, alors que c'est dans l'inconnu qu'il y a la percée. Si tu fais bien une chose, elle est déjà acquise. Tu dois oser faire des choses que tu ne fais pas. Et c'est là que tu vas t'étirer. Que Dieu vous bénisse abondamment.